j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant la vision. Une semaine après la fin de la coalition FCC-CACH au pouvoir, le président Félix Tshisekedi tient son discours sur l'état de la nation. Tout le monde se souvient de cette date parmi les plus importantes de l'histoire de son mandat. Félix Tshisekedi annonce dans la foulée la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Une ère nouvelle. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. L'annonce est faite le lundi 15 février 2021 à la télévision nationale congolaise, la RTNC. Jean-Michel Samalukonde Kingi est nommé Premier ministre par le président Félix Tshisekedi. Il dirigera le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Samalukonde Kingi. Le désormais ancien directeur général de la Générale des carrières et des mines GECAMINE, cet ingénieur de formation, par ailleurs ancien ministre des Sports sous Joseph Kabila, se charge alors de nommer un nouveau gouvernement, le deuxième du quinquennat de Félix Tshisekedi. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais. Nous sommes le 12 avril 2021. Samalukonde, Premier ministre, sort enfin son équipe. Il la baptise le gouvernement des Warriors, un anglicisme pour caractériser sa cohorte des gros durs qui aiment s'y battre et qui est difficile à abattre. La bataille sera rude sur tout le front, politique, social, économique et culturel. Autant de défis que Samalukonde n'ignorait pas au moment de sa nomination. Mes pensées sont encore une fois orientées vers des millions de Congolais dans bien de coins de notre vaste territoire qui ont perdu tout espoir de voir à nouveau l'État leur tendre la main. Je pense à tous ces jeunes universitaires ou non, empêtrés dans le chômage et qui s'interrogent sans un brin de réponse sur leur avenir. Je pense à nos enseignants, nos soignants, nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires et à toutes les autres catégories d'agents publics ou privés qui espèrent tous les jours voir l'État s'occuper davantage de leur carrière et de leurs conditions sociales. Je voudrais leur dire que l'État est conscient de leurs peines et de leurs attentes. J'aimerais leur réaffirmer combien le gouvernement que je dirige est déterminé à prendre à bras le corps tous ces problèmes et y apporter progressivement des solutions satisfaisantes. Sa désignation est un événement majeur et marquant la vie politique congolaise. Samalukonde le sait, il est destiné à servir. Je vais suivre les sages conseils qui m'ont été formulés par les membres du gouvernement qui m'entourent. Nous allons donc prendre en compte toutes les observations que vous avez données et nous assurer que même par la suite, vous puissiez nous transmettre les enrichissements qui étaient attendus pour ce programme du gouvernement. Après une année à la tête du gouvernement, quel bilan pour l'exécutant à la primature ? La honte de Samalukonde est marquée par des réformes, des actions majeures et remarquables, mais aussi par des crises liées à la Covid, au social et à l'insécurité dans l'est du pays. À la primature, l'ingénieur de 43 ans a défait, enfilé le costume d'un exécutant fidèle, conduisant avec sérénité les actions du quinquennat du chef de l'État, comme celle de la pacification du territoire national, de la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Sa figure de gestionnaire patenté a toujours été prouvée par un style bien à lui, de faire
et laisser dire. Bienvenue à cette 27e réunion du Conseil des ministres. Pour barrer la frénésie des groupes armés et des cycles virals d'insécurité dans l'Est de la République, le président de la République, Félix Tshisekedi, prend une décision osée. Instaurer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouvernement Samalou Kondé se charge alors d'éveiller et de faire les suivis de cet état de siège décrété par le président de la République et approuvé par l'Assemblée nationale. Samalou Kondé rêvait de cet effet, la tunique de chef des opérations. Il est sur terrain et sur tous les fronts. Avec une grande attention, il assure le suivi régulier des opérations militaires qu'il évalue constamment. En véritable chef des opérations, il effectue par deux fois les descentes sur terrain, en août 2021 et en avril 2022. Avec à sa suite une délégation de 12 ministres à Goma et à Bunia. Tout cela c'était d'abord pour récolter des informations qui peuvent nous aider à améliorer la situation ici sur le terrain et puis les enjoindre aussi, les sensibiliser pour qu'à leur tour ils puissent sensibiliser la population pour qu'elle accompagne cet état de siège. Dans le chef-lit de l'Ituri, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, se montre compatissant comme un bon père devant les militaires blessés des guerres internés à l'hôpital général de Bunia. Il effectue cette visite de solidarité pour s'assurer de leurs soins dans le souci d'améliorer leurs conditions de vie. Venu visiter nos blessés de guerre, ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. La restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans l'Est de la République est un impératif pour le gouvernement de la République. Auprès du chef du gouvernement, c'est le ministre de la Défense nationale qui applique à la lettre la stratégie du gouvernement. Sur place, les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient les opérations militaires. Une offensive tout azimut. Les ADF, Codeco, M23, Maïmaï sont traqués et poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Les efforts stratégiques et financiers aux forces armées de la RDC se sont améliorés davantage. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nord Kivu, particulièrement à Beni, sur la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, pour une évaluation de l'opération militaire de l'état de siège. Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Oicha, qui est un endroit qui n'a plus reçu la visite des autorités, ça faisait déjà un bon moment. À cause de l'insécurité. Ça nous montre déjà qu'il y a un travail qui se fait et qu'il y a des avancées sur le terrain, mais ce sont des avancées à maintenir. Parce qu'il est une chose que de récupérer certaines localités, certaines positions, mais il est une autre de les garder. Le problème sécuritaire dans l'Est de la République est à résoudre à tout prix. Tout comme les crises institutionnelles qui minent 17 des 26 provinces du pays. Tâche ardue pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo Okito, qui est au four et au moulin pour insuffler une dynamique de résolution des crises institutionnelles. Outre la gestion efficace des crises institutionnelles dans les provinces, le vice-premier ministre Daniel Asselo s'est assuré à travers la police nationale congolaise de la sécurité des personnes et de leurs biens en dépit de la persistance des quelques poches résiduelles dans certains coins de la République. Pour endiguer ces poches résiduelles qui persistent, il faut faire respecter la loi, et c'est avec l'aide de la justice. Dans ce secteur, le gouvernement Samalou Kondé a beaucoup de réalisations, dont combattre l'impunité par la justice, lutter contre les détournements ou découlage des recettes à la gabegie financière et autres antivaleurs, notamment ériger un mode de gestion. Les récalcitrants sont traqués, sanctionnés ou traduits en justice.
Sous l'impulsion du président de la République, la réforme du système judiciaire et l'instauration de l'état des droits en République démocratique du Congo demeurent l'une des priorités du gouvernement Samal Koundé. Sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision est matérialisée par le gouvernement des Warriors, le marketing tout azimut déployé auprès des partenaires bi- et multilatéraux a permis à la RDC de signer son grand retour sur la scène internationale. Le pays est sorti de l'isolement diplomatique qui les caractérisait aux dernières années du régime précédent. En 2021, la République démocratique du Congo est représentée pour la première fois au plus haut niveau à la 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP26. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait personnellement le déplacement pour Glasgow pour marquer l'ambition de son pays en faveur de la viabilité de l'environnement et du développement durable. Ici, la République démocratique du Congo se présente comme pays solution au changement climatique à l'échelle planétaire. Où nous avons présenté notre pays comme étant pays solution à travers les chefs de l'État, bien sûr, et le lancement a été fait au Congo à travers Monsieur Son Excellence le Premier ministre, coordonnateur de l'action du gouvernement, et que nous portons dans le domaine sectoriel de ce gouvernement, le ministère de l'Environnement et Développement Durable. Donc ce sont là des très très grandes réalisations et l'année 2021 a été couronnée par cette auréole et ensemble avec l'Égypte, nous allons co-organiser les travaux de la COP27. La RDC va habiter le site des travaux préparatoires. Le monde entier va considérer notre apport environnemental et que nous lions l'environnement, l'économie pour nous amener vers le développement durable. À la fonction publique, le gouvernement Samalou Kondé avait hérité d'une situation chaotique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a lancé le processus de maîtrise d'effectifs pour élaguer les doublons et d'effectifs, et de la retraite de certains agents en vue d'aboutir à la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paye, du rajeunissement des agents et de la mécanisation des nouvelles unités, notamment dans l'enseignement primaire et secondaire, afin de donner un sens au programme de la gratuité de l'enseignement de base. Dans ces secteurs, le gouvernement Samalou Kondé est surtout parvenu à concrétiser sa promesse d'une augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État, des militaires et des policiers à 30% dès avril 2022. En juin 2022, cette augmentation sera portée à 45% pour cette catégorie socio-professionnelle. Tenu de main de maître par le ministre d'État Christian Mwando Ntsimba, le ministère du Plan pilote le programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo, un gigantesque projet du président de la République. Comme ministère de suivi et évaluation de l'exécution de projets, tient à ce que le projet de développement local des 145 territoires soit appliquer effectivement pour que les effets se fassent sentir sur le terrain. Ça, c'est une action phare qui va prendre, je crois, 50-60% du temps du ministère parce que c'est de ça que va dépendre le relèvement du bien-être de nos populations. Le programme de développement local des 145 territoires devra s'est focalisé sur les infrastructures de base, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, aux services sociaux de base, le développement des chaînes de valeur agricoles et enfin la coordination ainsi que le suivi et la communication de la mise en œuvre des projets. C'est une première.
La République démocratique du Congo est dotée d'un budget en adéquation avec le politique public. Un signal fort pour prouver à suffisance que le gouvernement, à travers le ministère des Budgets, piloté par Aimé Bogé Sangara, a, dans un an, amélioré les cadres macroéconomiques, augmenté les recettes de réserves de change et a accru le budget national qui a été adopté au Parlement à la hauteur de 11 milliards de dollars américains. Je pense qu'il faut inscrire ces résultats dans le cadre d'abord du leadership du chef de l'État qui nous a imposé un nouveau rythme de travail et une nouvelle philosophie de travail. Mais c'est aussi suite à une amélioration de collaboration entre le ministère des Finances et le ministère du Budget, avec le concours de tous les sectoriels et de la Banque centrale. Au cours de cette première année, l'action gouvernementale, la ministre Adèle Kayinda s'est déployée partout où ses fonctions l'ont appelée. Des actions ont été posées, dont la recherche de la cohésion et l'efficacité au sein du portefeuille de la République. J'avais organisé les états des lieux de toutes les entreprises dans le cadre de la revue du portefeuille, initiative du chef de l'État, président de la République, et avec le concours du comité de pilotage des réformes des entreprises du portefeuille, COPIREP. Et après cela, ça m'a permis d'avoir un panorama général de toutes les entreprises. Et nous avons commencé par dire comment est-ce que nous devons relancer à une condition. Parce que dans la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, ça a commencé avec la transformation du point de vue juridique, c'est-à-dire ces sociétés qui doivent être des sociétés commerciales. Et comment est-ce qu'elles peuvent être commerciales? C'est quand je dois procéder à la restructuration profonde des entreprises du portefeuille. Chapeautant un portefeuille très stratégique pour l'exécutif national. Dès son entrée en fonction, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a insufflé un nouveau vent durant notamment les démarrages de processus de révisitation du cadre organique de ces secteurs. Nous avons organisé une table ronde au cours de laquelle nous avons produit une feuille de route. Et le Premier ministre a immédiatement débloqué les fonds qui ont permis à ce que nous puissions continuer avec ce processus de vulgarisation 1 de la politique nationale d'aménagement du territoire dans toutes les provinces. Deuxième action que nous avons menée, nous sommes partis la défendre, cette initiative du gouvernement qui porte sur le projet de loi relative à l'aménagement du territoire. Nous l'avons défendu au niveau de la plénière. Autre action que nous avons menée phare, c'est que pour la mise en œuvre de la fameuse politique, même de la loi qui va arriver, il faut des outils de sa mise en œuvre. Nous avons défendu le projet portant sur la création de l'Agence nationale d'aménagement du territoire et du Fonds national d'aménagement du territoire. Plus de 60 ans après son indépendance, grâce au gouvernement Samalou Kondé, la RDC se dote d'un code de l'urbanisme et de la construction. La loi sur le bois à loyer est promulguée. Cette législation est adaptée à la nouvelle politique du développement des villes, tout en tenant compte de ses réalités. Le ministre Pius Mwabilou travaille désormais sur l'opérationnalisation du Fonds national de l'habitat et de l'Agence congolaise des promotions immobilières. Une nouvelle approche qui permet à la fois la création d'emplois, la redynamisation du secteur immobilier et le logement social, ainsi que la mobilisation de recettes publiques. Nous avons d'abord donné une impulsion durable pour une nouvelle et bonne gouvernance urbaine. Et cela grâce aux actions à impact visible. Nous avons tenu à nous impliquer et à coordonner des interventions en matière d'urbanisme et habitat au niveau national et provincial, où nous avons, sur financement de la Banque mondiale, réhabilité et modernisé 30 km de voiries et caniveaux, 10 bâtiments scolaires, dont 3 à Tchikuit, 3 à Mbandaka et 4 à Kindu. Nous sommes également intervenus dans la lutte anti-érosive à Kananga. Nous avons commencé à faire de nos villes des villes intégrées,
planifiée et créatrice d'opportunités économiques. 4 agglomérations urbaines ont été dotées de leur premier plan urbain de référence, en sigle PUR, lesquels plans vont galvaniser les actions et investissements prioritaires. Sous la houlette du ministre Alexis Guizarro, le ministère des ITPR est sur tous les fronts pour poser des actions à impact visible sur le terrain. Plusieurs projets sont en cours d'exécution à travers toute l'étendue des territoires nationaux. Nous allons commencer par l'espace Kassai, où il y a à peu près 101 km qui vont être construits dans le cadre de ce projet et 40 km qui vont être construits dans l'espace dans Kinshasa. Tchilegelou, au même titre que d'autres projets que nous appelons des projets spéciaux. Les projets spéciaux, ce sont des projets qui sont effectivement construits en partenariat public-privé parce que nous choisissons un opérateur économique, un opérateur donc, du secteur des infrastructures qui est financé par une banque, donc préfinancé par une banque et au travers de notre structure qu'on appelle le FONER, le Fonds National d'Entretien Routier, nous remboursons la banque qui a préfinancé les travaux. Avec l'arrivée du gouvernement des Warriors, le secteur de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a connu une réforme importante pour sa transformation en profondeur. Sachant que ses prédécesseurs ont eu du mal à apporter des réponses idoines aux problèmes de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, le ministre Eustache Mohanzi s'est vite résolu. Dès son entrée en fonction, l'élaboration de 2 projets de loi aujourd'hui en étude au niveau du gouvernement avant leur transfert au Parlement. Il s'agit du projet de loi sur l'entrepreneuriat et celui sur l'artisanat et les start-up. Cette initiative vise à résoudre les difficultés qui plombent l'éclosion du secteur de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Le Congo profond a besoin de ressentir l'impact du programme du gouvernement de la République. C'est ici qu'il faut compter sur l'apport du ministère du Développement Rural, chapeauté par François Robota, qui a travaillé pour la construction des forages d'eau à travers plusieurs provinces dans le pays, la réhabilitation des près de 56 000 km de routes, des dessertes agricoles a été initiée sur l'ensemble du territoire national. Le projet a été lancé officiellement à Kikwit. C'est un projet qui doit prendre en charge presque 500 000 ménages dans cette province, sur l'espace Kassai, où nous avons accéléré les travaux à ce qui concerne les adductions d'eau potable. Nous avons accéléré les travaux sur les écoles, les centres de santé et les places à vivre qu'on appelle communément marché public. Nous avons obtenu du FONER un accompagnement de l'ordre de presque 8 millions de dollars qui ont tous été affectés dans des provinces pour permettre à ce que les travaux d'entretien et de cantonnage manuel aient lieu. Le Premier ministre a conduit sans faille la politique sanitaire du gouvernement. L'objectif reste la matérialisation de la couverture santé universelle malgré la 4e vague de la pandémie de la COVID-19. Très vite, le gouvernement s'est focalisé sur la sensibilisation de la population à la vaccination contre la COVID-19. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est fait lui-même vacciner contre la COVID. Le chef du gouvernement a réitéré l'appel lancé par le président de la République à tous les Congolais de se faire vacciner contre la COVID-19. À l'issue de cet appel, nous avons effectivement, il y a quelques jours, lancé la table ronde sur la vaccination. Donc, il était de bon aloi que nous-mêmes, les autorités, nous puissions montrer l'exemple et venir ici pour avoir cette vaccination. Sous l'impulsion du président de la République et avec la coordination du Premier ministre, le ministère des Finances, chapeauté par Nicolas Kazadi, s'est engagé dans une dynamique de mobilisation accrue de recettes de l'État. En seulement une année de travail, les régies financières ont doublé leurs assignations. Les taux d'échange est resté stable. La transparence s'est installée. Bref, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. La tête de ce ministère est d'en faire un ministère moderne, mobilisateur et performant. Un ministère moderne suppose une administration dotée des ressources humaines qualifiées,
un ministère mobilisateur, c'est-à-dire qui mobilise les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des politiques du gouvernement. En seulement une année, le travail des régies financières ont doublé leurs assignations. Les taux d'échange est resté stable. La transparence s'est installée. Quant aux réserves d'échange, sous Samalou Koundé, elles sont passées de 710 millions de dollars américains fin avril 2021 à 3,3 milliards de dollars américains en septembre 2021, avant de culminer à 3,5 milliards en janvier 2022. La République démocratique du Congo a actuellement un bon matelas financier de 2,4 milliards de dollars américains comme réserve internationale. Les efforts du gouvernement de la République à travers le ministère de l'Économie ont tourné principalement autour de l'application du prix sur le marché de biens et services. C'est ici qu'il faut saluer la baisse constatée des prix des billets d'avion pour tous les vols domestiques et le processus engagé pour le prix juste dans tous les secteurs. Nous avons décidé de nous orienter à la voie aérienne parce qu'aujourd'hui, notre pays est un sous-continent et c'est l'espace aérien qui nous amène quand même à couvrir l'étendue de la République. Alors, nous avons engagé des discussions avec les opérateurs économiques de ce secteur et nous sommes arrivés à des compromis pour pouvoir appliquer les prix concertés aujourd'hui et obtenir aussi la réduction du fret aérien. Durant cette première année de l'action gouvernementale, le gouvernement a instauré de l'ordre à l'EPST, renforcé la gratuité de l'enseignement en fiabilisant, nettoyant les fichiers de paye, en élaguant les cas non conformes, notamment les écoles et agents fictifs, en vue de maîtriser les effectifs des enseignants et des masses salariales. Il a fallu attendre près de 15 ans pour que finalement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, décide finalement de démarrer avec la gratuité. Et on crée des écoles comme des champignons dans n'importe quelle condition. Il faut voir ce qui est enseigné. Donc, tous ces désordres-là, c'est là que nous parlons du redressement. Aujourd'hui, on a lancé le processus de construction de 200 écoles cette année. La situation de l'enseignant s'est beaucoup améliorée avec la gratuité. Ce qui a permis la prise en charge progressive des 61 000 nouvelles unités de secondaire. Le ministre Tony Mwaba a lancé la caisse des retraites des enseignants et l'opération progressive des mises en retraite des 87 000 enseignants. À l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Muyindo Nzangi a engagé d'importantes réformes dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des conditions sociales du personnel scientifique et académique. Plusieurs rencontres allant dans le sens du dialogue social ont été notamment organisées. J'ai organisé pour la première fois après 71 les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. Et nous avons discuté de manière pratique de tout ce que nous devons faire pour relever les défis, requalifier l'enseignement supérieur et universitaire. C'est dans ce cadre-là que vous avez suivi, que nous avons adopté la généralisation de la réforme LMD à partir de l'année académique 2022. C'est à partir de cet âge de l'autre que vous avez appris. Nous avons aussi validé la carte universitaire qui nous permettrait de pouvoir assainir les universités à la vie démocratique. De la protection du patrimoine minier de l'État congolais à la lutte acharnée contre la fraude et la contrebande minière, en passant par la préservation des intérêts des populations riveraines des zones minières, la patronne des mines en République démocratique du Congo tient mordicus à assainir son secteur pour permettre notamment un accroissement des revenus au profit du trésor public.
Antoinette Samba Kalambaye a réussi, avec son collègue des affaires sociales, à mettre en place les cadres juridiques de la gestion de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires des compagnies minières. Ces revenus vont contribuer au projet de développement communautaire en RDC. Elle a déchu les titulaires des 386 droits miniers et des carrières pour tenter de récupérer les actifs dont l'octroi ne bénéficie pas à l'État congolais. Il a fallu attendre l'arrivée du gouvernement Samalukundi pour voir l'organisation pour la première fois des états généraux de l'agriculture dans l'optique d'établir le bilan et les perspectives et doter le pays d'un programme cohérent, efficace et durable pour ces secteurs pour lesquels l'équipe des Warriors est déterminée de concrétiser la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons mis en place une usine de torréfaction de café en lançant une campagne de consommation du café local. Et puis après, nous avons reboosté les projets volontaristes agricoles avec 6 sites où on cultive le maïs, le manioc et le riz pratiquement, avec objectif de ne plus importer ces denrées alimentaires. Il y a deux provinces qui se distinguent. Il y a le Haut-Katanga, il y a le Nord-Kivu, où il y a à peu près maintenant l'autosuffisance alimentaire en termes de maïs. Notre objectif, c'est d'exporter même nos produits vivriers, pas seulement les produits périns, hein, comme le café, le cacao et tout ça, les VA, mais tout ce que nous produisons, parce que nous avons vocation à nourrir le monde. Très engagé à traduire en acte la vision du président de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, porté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, celle d'améliorer la qualité de la desserte en eau potable et en électricité. Le ministre Olivier Mouinzemkaleng s'est vite résolu à être plus un homme de terrain que de bureau. Nous avons par exemple finalisé la construction de la centrale de Busanga à Kolwezi, qui va nous apporter 240 MW. Nous avons aussi travaillé activement pour la relance des travaux de la centrale de Katende. Il y a aussi des petits projets, par exemple la connexion de la ligne qui vient de Zongo 2. Cela pourra éventuellement améliorer la desserte en électricité dans la ville province de Kinshasa. Et nous avons réhabilité la centrale de la Tshopo, ce qui fait que la ville de Kisangani aujourd'hui est en mesure d'avoir l'électricité. Vous savez que nous avons ce problème de ce gaz toxique dans le lac Kivu. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons rentabiliser, au lieu de laisser ce gaz, qui étant un danger pour la population, nous voulons le transformer et en faire de l'énergie électrique. Ces jours où la République est prise à témoin pour l'amorce du changement de l'écosystème de nos médias. C'est un jour historique pour la presse. La redevabilité et le changement des narratifs sur le Congo et les Congolais restent les priorités pour le gouvernement à travers le ministère de la Communication et Médias qui compte à son actif plusieurs réalisations. Les états généraux de la communication et médias ont été organisés pour instaurer une nouvelle dynamique dans la pratique de la communication et presse en RDC. Vous avez vu que nous avons apporté une touche particulière dans la manière de la communication, de communiquer des différents membres du gouvernement, notamment avec le briefing et la régularité avec laquelle nous organisons, la collaboration avec certains services, notamment l'armée et la police, pour montrer que nous avons été dans l'anticipation. On a beaucoup parlé du changement de narratif parce que on parle de la RDC généralement en mal, on ne fait pas toujours attention à ce qui marche parce que il y a des laboratoires qui pensent que la RDC doit démarrer dans cet état. Donc, dans les cas du changement de narratif, nous avons porté plusieurs initiatives qui font qu'aujourd'hui, les choses sont vues différemment. Le ministère a aussi diligenté la campagne de soutien au FRDC intitulée Bendele Ekoyate. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux
témoigne de votre engagement, plusieurs fois manifesté, de voir émerger en République démocratique du Congo une presse libre et responsable. Le secteur des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, chapeauté par Augustin Kibasa Maliba, a marqué positivement l'action gouvernementale. Ce secteur est géré à travers quatre structures étatiques, à savoir la Société commerciale de la Poste et Télécommunications, SCPT, l'Autorité des régulations de la Poste et Télécommunications du Congo, RPTC, la Société congolaise des fibres optiques, SOCOF, ainsi le Réseau national des télécommunications par satellite, RENATELSAT. Plusieurs actions ont été réalisées durant cette première année du gouvernement Samalou Kondé. Il s'agit notamment de l'émission du timbre après deux décennies d'absence, la relance des activités de la Poste, l'élaboration d'un annuaire du code postal, le lancement de la réouverture du bureau des postes dans les 145 territoires de la RDC, l'avènement majeur au Pétentique en 2021 et sans nul doute, la publication au journal officiel de la loi sur les télécoms et le TIC. Ceci a le mérite de rendre le secteur véritablement porteur de croissance économique et créateur d'emplois en RDC. Dernier né des ministères de l'architecture gouvernementale de la RDC, le ministère du numérique a pour mission de devenir un levier d'intégration des bonnes gouvernances, des croissances économiques et des progrès sociaux en République démocratique du Congo. Le 605 est désormais le préfixe de la RDC pour tout le produit Made in Congo. Bien plus, le pays dispose désormais d'une stratégie nationale de traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Codabar. Le secteur des pêches et élevages focalise l'attention du gouvernement Samalou Kondé. Le ministre des pêches et élevages Adrien Boukele Djema a, sous la supervision du chef du gouvernement, posé les actions phares pour renforcer la pêche des captures et de la pisciculture. La recherche scientifique est l'un des socles de développement d'une nation. Dès son entrée en fonction, le ministre José Mpanda a reçu le baptême de feu avec l'éruption volcanique des Nyiragongo. Plusieurs actions ont été menées dans le souci de promouvoir la recherche scientifique. Aujourd'hui, l'observatoire est dans l'orbite des autres observatoires du monde. Ils sont ramenés à ce niveau-là. Et ça, c'est sous l'impulsion du Premier ministre, du chef de l'État, certainement, et que nous-mêmes, nous apportons régulièrement des informations et nous faisons des suivis pour que, certes, l'éruption, c'est une catastrophe naturelle, mais ça doit être suivi. Suivi, nous sommes dans les mesures de contingence de suivi, des plans de contingence, pour arriver à ce que tout doit être suivi et que notre population soit sécurisée. L'INERA aujourd'hui commence à reprendre la forme de l'institut qui doit accompagner l'agriculture comme priorité des priorités d'un pays pour amener à accompagner scientifiquement les agriculteurs. Le secteur foncier devient de plus en plus un secteur contributeur au trésor public et s'est fait depuis l'avènement du gouvernement Samalou Kondé. Depuis son entrée en fonction, le ministre Aimé Molendo Sakombi a entrepris plusieurs actions à impact visible. L'une des grandes réformes réalisées dans les affaires foncières reste la bancarisation des opérations foncières en République démocratique du Congo. Pour concrétiser sa vision des fers de la RDC, trajectoire de l'émergence et des diversités économiques, le gouvernement a mis en place des zones économiques spéciales. La zone des Kishushi dans le Haut-Katanga, la zone des Milouna dans l'espace Équateur et Kinshasa, la zone des Maluku qui va abriter les installations de l'usine Pepsi avec 7000 emplois directs, 30 000 indirects attendus. La République démocratique du Congo est à construction.
Nous avons réussi à convaincre les investisseurs qui vont nous aider à produire au Congo les carreaux que vous voyez dans les maisons. Pas plus tard qu'à la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, début de l'année 2023, la République démocratique du Congo va se doter de ses propres usines de fabrication de carreaux ici, et c'est dans la zone économique spéciale de Maluku. Donc, nous avons dans les perspectives l'ambition de poursuivre cette grande mission d'installation des zones économiques, et nous allons poursuivre la mise en place des zones économiques spéciales qui sont des espaces que le gouvernement crée pour attirer des investisseurs, parce qu'à l'intérieur de ces espaces, il est accordé des facilités fiscales, douanières, pour permettre que les opérateurs qui choisiront la RDC eh bien, produisent à moindre coût les produits, si on peut se répéter ainsi, pour que lorsque nous allons les exporter, nous soyons compétitifs sur les marchés internationaux. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et son gouvernement peuvent s'estimer heureux d'avoir réalisé des exploits dans le secteur du travail, emploi et prévoyance sociale en RDC. Il a réussi à maintenir et améliorer les rapports avec les partenaires bi- et multilatéraux dans ce secteur. Outre l'entrée de la République démocratique du Congo au programme de l'OIT, le gouvernement Samalou Kondé tient beaucoup à la concrétisation de la réforme de l'inspection du travail pour assurer un meilleur contrôle des normes du travail, respect du SMIG, hygiène et sécurité au travail et autres. Pour la première fois depuis toujours, par la signature du PPTD, la lutte contre le travail des enfants dans le mine, domaine dans lequel la République démocratique du Congo a été proclamée pays champion de l'Alliance 8.7. L'augmentation, 10 ans après, de prestations en faveur des retraités et pensionnés du régime général des sécurités sociales. Et la relance de l'opération d'identification des travailleurs étrangers en RDC avec l'imminente reprise de l'impression des cartes interrompue depuis janvier 2021. De l'éruption volcanique de Niragongo aux déplacés des conflits armés à travers le pays en passant par la pollution des rivières Chikapa et Kasai, les naufrages, l'électrocution et autres catastrophes, le gouvernement Samalou Kondé a apporté de l'aide et assisté les victimes. Le ministre Modeste Moutinga a tiré des leçons du caractère imprévisible de toutes ces catastrophes naturelles. Le gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a attiré l'attention des jeunes sur l'engagement et participation dans le processus de développement du pays. La mise en place du programme national de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Et nous avons, au cours de cette première partie de notre mandature, mis dans les différentes responsabilités que Son Excellence Monsieur le Premier ministre nous a assignées. C'est ce qui nous a permis, premièrement, de relancer les brigades agricoles de jeunes, notamment dans notre brigade de Impuru à Kinshasa, dans la brigade de Kingila dans le Congo central. Et également, nous avons relancé la formation de jeunes dans l'agriprenariat, où il y a 432 jeunes qui ont été formés dans l'entrepreneuriat agricole. Pour le secteur de la citoyenneté, nous avons organisé des ateliers qui nous ont permis aujourd'hui d'élaborer un guide national sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui sera bientôt adopté au niveau du gouvernement de la République afin d'amener le Congolais à changer de mentalité pour un Congo grand et nouveau. Le sport reste un vecteur important dont le gouvernement se sert pour cimenter l'unité et la cohésion nationale. L'exécutif national s'est activé dans les préparatifs de grandes compétitions et la construction des infrastructures sportives. Dans le cadre, c'est-à-dire réhabilitation des stades nationaux, il y a aussi la construction des stades dans des territoires. Et aujourd'hui, dans le programme du gouvernement, il y a le programme des 145 territoires. Et les sports sont maintenus dans ce programme. Ça signifie que dans tous les chefs-lieux des territoires, nous devrons avoir ne fût-ce qu'un stade municipal, omnisport bien sûr, c'est-à-dire un stade de foot avec des annexes pour les autres disciplines.
Accompagnant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République lutte contre la discrimination en dédiant aux personnes vivant avec handicap tout un portefeuille ministériel pour faire participer cette catégorie des citoyens congolais dans la prise des décisions au niveau national. Nous sommes venus dans un domaine où il n'y avait rien. Donc il fallait commencer par tracer les grandes lignes et nous fixer les priorités. Notre première action a consisté à l'harmonisation de la langue des signes. Parce que vous savez, pour les personnes sourdes, la grande difficulté pour leur inclusion, c'est lié à la communication. Il s'est avéré qu'en République démocratique du Congo, les signes qui sont parlés à l'est du pays ne sont pas les mêmes que celles qui sont que les signes qui sont utilisés dans d'autres parties, notamment l'Est, le Centre et même le Sud. C'est comme ça que dans le cadre de la lutte contre la discrimination et l'inclusion des personnes vivant avec handicap, particulièrement les personnes sourdes, notre première activité ou action était de harmoniser tous ces symboles-là pour sortir ce qu'on peut appeler aujourd'hui la langue des signes congolaise harmonisée. Par une campagne de sensibilisation, le gouvernement de la République mène une lutte contre les violences basées sur les genres et le harcèlement en RDC. Il procède à l'accompagnement judiciaire et psychologique des adolescents dans la lutte contre ces fléaux. On ne peut pas rester que dans la parité, mais c'est mieux pour éradiquer la violence faite aux femmes que cela soit porté au sommet. Au sommet, c'est-à-dire les chefs d'État qui doivent porter le message. Et ce message ne pourra arriver qu'à la base, après avoir été sensibilisé par le chef d'État. C'est comme ça que vous avez vécu tous la grande conférence sur la masculinité positive. Et aussi, il y a eu l'installation des mutuelles des femmes africaines, une banque financière pour les femmes, soutenue par le chef de l'État. Aujourd'hui, le ministère du Genre est derrière pour que ces mutuelles soient installées partout dans les provinces et pourquoi pas dans les 145 territoires. La campagne de vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant se poursuit plus particulièrement dans le milieu scolaire. Une année d'action au sein du gouvernement de la République, Cheribet Okende a dans son actif, entre autres, les débuts des travaux de modernisation des aéroports d'Ndolo et de Lodja, la création de l'entreprise Transacadémia et de la compagnie aérienne Air Congo, la construction du port à eau profonde des Banana. Il y aura une zone logistique et industrielle qui va entourer le port. Cela suppose que nos produits ne seront plus exportés à l'état brut. Il faudra créer une chaîne de valeur. Et en créant cette chaîne de valeur, c'est des Congolais qui trouveront aussi de l'emploi. C'est la valeur ajoutée qui sera aussi reconnue à nos produits avant l'exportation. Et c'est cela le coup de pouce que ce projet donnera à l'économie du pays. En réhabilitant, en modernisant nos aéroports, nous ne ferons plus l'aviation de la fonction publique. Je qualifie cela une aviation, une exploitation aérienne qui, arrivée aux premières heures de la soirée, ne savent plus fonctionner. Nous envisageons de créer une banque régionale, maritime régionale, qui pourra soutenir les actions de développement des activités de mer. Nous entendons avec tous les autres partenaires mettre une académie maritime. Le gouvernement est salué pour le grand progrès accompli dans l'amélioration de la situation des droits humains. Le gouvernement Samalou Koundé a posé plusieurs actions positives attestant sa ferme volonté d'accompagner la vision du chef de l'État qui tient véritablement à instaurer un état des droits au pays. Avec le chef de l'État depuis 2020, au mois d'août, il avait été levé l'option au regard des graves violations des droits de l'homme que notre République
a connu la justice classique n'ayant pas été à mesure de donner satisfaction, n'ayant pas été à mesure de juger les auteurs de ces différents crimes. Ainsi, il a été de plus en plus mis en avant ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Faire de la culture et art patrimoine, un des départements qui compte pour le rayonnement de la République démocratique du Congo. C'est l'ambition du gouvernement de la République. Le chef du gouvernement a veillé à son exécution. La RDC a ratifié, grâce au mandat du Congo, à l'Union africaine, à la charte de la renaissance culturelle africaine. Notre secteur, il est connu de tous que c'est un secteur pratiquement libéral. Et les gens ont été habitués à voir seulement l'aspect très libéral. Et nombreux ne savent pas reconnaître, accepter l'encadrement du gouvernement. Et donc, ça a été aussi un travail de montrer que le gouvernement était là et qu'il y a un programme mis en place que nous devons rendre effectif et que c'est ça ou rien. Et avec le système public-privé qui est désormais le principe pour les actions gouvernementales, nous avons compris que nous travaillons avec les libéraux, mais dans le cadre de l'encadrement, nous devons obligatoirement valoriser le programme et puis les priorités de 2021-2023 telles que définies dans notre plan gouvernemental. Nous avons aussi la chance que le mandat du chef de l'État pour l'année, pour l'Union africaine, a été inscrit sur les thèmes de culture, art et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Donc nous sommes arrivés au bon moment lorsque la culture est pratiquement au centre de la question de l'Afrique, mais aussi au centre de la question de notre pays. La rumba congolaise a été admise au patrimoine culturel immatériel universel de l'UNESCO. Une victoire de la culture congolaise, tout comme la récupération de quelques œuvres d'art détenues par la Belgique depuis l'époque coloniale. Plusieurs actions sont à mettre à l'actif la ministre près le président de la République. Depuis son entrée en fonction, Nana Manuanina est sur tous les fronts. Elle s'est impliquée d'arrache-pied dans la sensibilisation sur l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons sensibilisé sur la cohésion et l'unité nationale. Notre stratégie portait sur deux axes. Chaque fois qu'on descendait, premièrement, on organisait une conférence avec la notabilité. Le président de la République l'avait très bien identifié au début que le pays était vraiment plongé dans les antivaleurs, qu'il n'y avait pas de cohésion entre nous. Il y avait beaucoup plus de tribalisme, de détournement. Le chef veut que nous puissions comprendre que il est temps que nous puissions agir autrement, qu'il est temps que nous puissions nous supporter pour développer notre pays. Le vrai bilan est que le gouvernement en place applique et a appliqué les orientations du programme du gouvernement inspiré de la vision du président de la République, à savoir le peuple d'abord. Ce, pour un changement des modèles de gouvernance au profit des Congolais. Il y a des retards accumulés dans tous les secteurs. Je n'ai pas besoin ici d'être exhaustif. Que ce soit du point de vue des infrastructures, que ce soit du point de vue du fonctionnement de notre administration, que ce soit du point de vue des retards accumulés dans les engagements de la République. Contexte aussi où nous sommes avec une pandémie, la Covid-19. Ce n'est pas très facile d'évoluer. Mais qu'à cela ne tienne, avec toute la détermination dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fait déjà montre, le gouvernement devait se mettre derrière pour agir. Avec ces bilans, le Premier ministre est conforté d'avoir une victoire sociale, car l'enjeu était d'amorcer un virage stratégique dans ses quinquennats en travaillant en profondeur sur toutes les grandes questions
pour faire face à la crise multiforme qui s'est dessinée.